Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi. On ne laisse personne sur le bord de la route. J'envoie des quichetas, moi. Ah, t'envoies des quichetas, toi. Ah, d'accord. Bonjour, Pierre Cross. Bonjour, Benjamin. Comment ça va, Pierre Cross, aujourd'hui? J'ai envie de prendre soin de vous. J'ai pris quelques couleurs. Oui, j'ai l'impression qu'on a été au soleil. J'ai tourné en extérieur hier. La vidéo sortira peut-être avant, peut-être après ta vidéo. On peut pas dire c'est quelle vidéo. On peut pas dire. Mais il y aura des beaux rires. J'ai pas fait appel à Pierre Cross, le YouTuber, aujourd'hui. Oh non. J'ai pas fait appel à Pierre Cross, le culturiste. Ça, je l'appelle rarement. Il répond rarement. J'ai fait appel à Pierre Cross, l'expert en séduction. Ouais, très bien. Très peu de skills, hein, j'imagine. Oh, alors, oui. C'est le flocon, hein. C'est le petit ourson. D'accord. Mesdames et messieurs, et également tous les autres, aujourd'hui, donc un énième volume des descriptions sur les sites de rencontres. Ça nous fait toujours rire. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas là pour se moquer des gens qui veulent séduire. On est là pour un petit peu, déjà, prendre un petit peu des leçons, parce qu'on n'est pas très costaud. Et surtout, on va les découvrir avec vous, puisque c'est Jordie et Dylan de la prod qui nous ont donc un petit peu donné des pépites de la séduction. Il y aura certainement des belles choses. Il y aura du bon gros lourdeau comme on l'aime. Mais au final, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que quand on est sur un site de rencontre, sur une appli, on n'a pas envie de voir popper de temps en temps une bonne punchline? Le Mozart de la séduction. Celui qu'on s'est dit juste avant la vidéo. Si tu veux qu'on aille plus loin, commence par venir un peu plus près. Oh, mais oui, mais c'est ça qu'on veut. C'est celui-là qu'on veut. Donc, on va découvrir ça. Ensemble, on a plusieurs sites de séduction. Ce sont des mecs qui cherchent l'amour ou parfois ce qu'on appelle le petit coup de cartouche. Ouais, alors on peut appeler cartouche. Le petit coup de quarterback. Est-ce qu'on n'entrerait pas dans le vif du sujet, Pierre? Découvrons ensemble. Donc on commence. Alors on vous a bien évidemment flouté les visages. Il est beau gosse. Est-ce qu'on peut être un floutage beau gosse? On a Alexis. Alexis qui nous dit: j'ai passé une heure sur le dictionnaire et les bécherelles pour former une description parfaite. J'espère. D'accord. J'espère que cela fera son effet. Il commente. Et ça, on dit oui. Mais là, ça commence. On donne des bonbons aussi. C'est que là, il y a le côté second degré. En termes d'humour, c'est scolaire. Là-dessus, est-ce que tu leur envoies pas un message avec une faute d'orthographe, toi également? Tu me plais, P-L-A-I-E. Est-ce qu'il joue aussi sur je vais en profiter un petit peu pour avoir toutes les personnes qui n'ont pas compris? Ah, tu penses? Est-ce qu'il attend pas un premier degré? Je crois que t'as fait une faute. Là, ce serait très technique. Il lance l'hameçon comme ça. Il n'y a plus qu'à. Très costaud. Ça m'est déjà arrivé sur une ou deux vidéos de laisser deux, trois trucs au montage où je sais qu'il faudrait pas le laisser. Oh, il met des easter eggs. Et je sais que ça va faire du commentaire. Vous avez affaire à un professionnel, voilà, c'est tout. Bonjour, là. Moi, il m'en faut peu, attention. Aujourd'hui, il m'en faut peu. J'adore la nature et les découvertes. Je suis curieux, mais sans prétention. Alors ça, tu sais que ça m'a toujours beaucoup intéressé, c'est le « j'adore la nature ». Qui n'adore pas la nature? Et qui dirait, du coup? Moi, ce que j'aime, c'est brouiller des forêts. Dès que je vois un arbre, je chie dessus. Beaucoup de gens disent « j'adore la nature ». C'est vraiment... par défaut, c'est « j'aime bien respirer ». Ah oui, oui. Moi, l'oxygène, je ne pourrais pas m'en passer. 45 ans, belle plume, cherche joli crayon de couleur pour écrire ensemble les plus belles pages de notre vie, dans la joie de nous décrire. Alors, le... Ça, c'est une faute. C'est une faute. Alors, ça a commencé... La métaphore de l'écrivain... C'était bien. On a laissé passer, il y a quelques années, les gens qui, dans les mails, à la place de cornialement, mettaient un humoristiquement... Bien sûr. Soleillement vôtre, parce qu'il fait beau, tout à fait. Vacancement vôtre. On a laissé passer. Bien sûr. Et on s'en retrouve à arc-en-cielement vôtre. Qui ne veut rien dire. Mais non. Mais oui, effectivement, il y a eu une porte ouverte. Charenton, le pontement vôtre. Oh oui. Et là, on vous a flouté. Mais il y a ce qu'on appelle, dans le jargon technique... La tête qui va avec le nom. Je l'avais bien appelé. C'est vrai qu'il a l'air un peu chic. Même la ville, elle drague. Maison, 35 ans. Mais ça, là aussi, il a une tête qu'on appelle la tête, le mec bonnard. Pour moi, lui, il laisse sa place de parking. Bah, de toute façon, quand t'as plus trop de cheveux, t'es obligé d'être drôle. Hein. Après, moi, j'aime bien faire des vannes et pas ouf, quoi. Après, moi, je suis pas non plus. Non, mais j'aime bien quand on rigole, mais... Alors, il nous a dit: avis à ma future épouse. Ah oui, ça vient la pression, hein. Ouais. À ma future épouse, les plus grandes histoires d'amour commencent systématiquement par un haha, mais c'est qui ce con? Bonnard, mais il place quand même musclé, danseur, bio, bachata, Tarantino, couette. Bien sûr. En fait, il fait programme la soirée. Hein. Il y a film, il y a couette, il y a. Il y a muscu au début. Oula, moi, j'y vais pas là-dessus. Là. Là, il y a forcément des pépites là. Je suis un homme, un vrai, qui ne sait pas faire deux choses à la fois. Écrire et mentir.
Ah, je vais le taper. Excusez-moi, honnêtement, j'ai envie de gonfler le visage. Danser et te marcher sur les pieds. Tu sais, c'est une comédie romantique de « Il embrasse tellement bien, mais j'ai les pieds gonflés. Il m'a marché dessus toute la nuit. » Changer la housse d'une couette de place et avoir la classe. Regarder un film et parler. Faire l'amour. Il ne sait pas s'endormir après. Il fait quoi? Tu fais quoi après? Tu fais une quiche Lorraine, tu fais un tableau, t'es le genre de gars qui vient faire l'amour et qui fait la Joconde. Enfin, ton corps, il est trop beau à voir. Non, mais c'est Jack dans Titanic. Honnêtement, je soupçonne d'avoir une énorme expérience en site de rencontre. Last love. Ah, c'est bizarre. Relation sérieuse. Alors déjà, on l'a toujours dit, le noir et blanc, ça a ses avantages, ça a ses défauts. L'avantage que ça a, c'est que ça veut dire qu'il y a un défaut. On est en costume, ouais. Donc au-delà de dire je suis beau gosse, c'est j'ai un job. Parce que c'est pas une cravate de boîte de nuit, ça. Si vous préférez, c'est une cravate qui vend des PEL. Par contre, il attend le bus. Il n'a pas son moyen de transport. Voilà. Ah, pas la profession, la pierre. Auteur, game, concepteur et entrepreneur. C'est beaucoup trop compliqué pour être vrai, ça, non? Il est auteur de jeu. Très costaud, ça. Fibre paternelle. Donc, on a son descriptif avec lifestyle, mange de tout, workout, running, saut en parachute, boxe. Tiens, c'est un spartiate. On est sur un Avenger. Les instruments, il y en a deux. Loisir, geeker, concert, voyage et écriture. Et massage. Et dès qu'il peut mettre massage. Non mais écriture. Écriture. Bon, on passe pour des rageux parce qu'à mon avis, il peut séduire 10 000 fois mieux que nous. Hein. Et beaucoup plus beau donc. Ça va, quoi. Oh là. Non mais là, c'est pas possible. Mais c'est qui ce gars? Mais c'est qui ce gars? Pour vous donner une petite idée de mon vécu. Y'en a un ici. Je peux pas, les gars. On leur a rien demandé. Il faut qu'ils donnent une idée. Mais là, il y a une bio. C'est une bio, hein. Ah non, mais écriture, en fait, je retire ce que j'ai dit. C'est un auteur, là. Je suis fidèle, honnête, sincère, respectueux. Je ne peux pas mentir à celle que j'aime. Ayant été systématiquement éduqué par ma mère et mes sœurs, j'ai beaucoup d'estime pour la gente famille. Et je n'ai jamais trompé une fille, bien sûr. Oh là là. Parce qu'il a fait que des coups d'un soir à 130 000 points. Donc, ouais. Je suis pas non plus un caniche. Et pour rester dans la métaphore animalière, plutôt un félin adorant. Mais pour moi, on est peut-être sur un champion du monde. Pour vous donner une petite idée de mon vécu. Parce que bon, là vous frémissez d'envie. J'ai été militaire dans l'armée de terre pendant 5 ans. Habilité secrète. Je veux pas. Mais c'est qui ce mytho? Je suis un pavé comme ça, mais je peux pas trop vous en parler non plus. J'aurais pu mourir plusieurs fois de différentes façons, mais bon, il semblerait que je sois doté de plusieurs vies comme les félins. J'ai failli être escort boy. Pas gigolo, hein. Il manque garde champêtre et cordonnier. Il a fait, je crois, cordonnier, ah. Ouais. Je ne suis pas parfait. Oh, quand même. tu verrais nos lives. M'idéalisez pas trop, je le fais pour moi. En me nourrissant de toutes mes expériences et rencontres, bonnes ou mauvaises, afin de devenir quelqu'un de meilleur. Là, pour être meilleur, faut... Peut-être, pas. Peut-être une vision sur des qui... Peut-être voler. On a deux très forts, là. Les deux de suite, là. J'ai envie de voir un mec qui se prend pas au sérieux, là. Parce que là, ils sont... Quand même, ils sont tous les deux très sérieux. Le félin, là, il est incroyable. Ouais. Donc là, on découvre un nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Lui, il a une shopping list dans l'idéal. Géographiquement proche. Intentionné. Bienveillante et consignante. Démonstrative. Ouais, donc, ouais, d'accord. C'est pas dans l'idéal, là. Communicative. C'est l'idéal. Affectueuse, complice, de préférence sans enfant. Mais il a fait... C'est plus une shopping list. Il a fait une notice pour meuf. Est-ce que la meuf, elle lit tout et au dernier point, elle se dit « Ah non !» Mince, ah. Je chausse pas du 40. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, il y a un peu trop là, oh là, il est chelou. Hein. J'en vois. Oh. Oh là 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 là, mais là, on peut pas tout vous mettre. Hein. Ma visée est du couple. Si ma partenaire me gonfle, je peux bouder, cracher un peu d'eau. C'est un lama. Chatouiller jusqu'à faire pleurer. C'est un enfant. Non, mais c'est un dictateur, en fait. Mais là, c'est un enfant. Il crache un peu d'eau au visage chez les enfants. Et il chatouille jusqu'à faire pleurer. Regardez le plafond en disant à voix haute, « Qui me parle ?» Non, mais c'est... là, c'est des gens qui me font très peur. Hein. Oh, le truc, poser délicatement un doigt sur votre bouche, c'est le truc qui énerve. Tu sais, tu t'engueules. Oh là là. Déjà, avant qu'on te dise chute, t'as eu droit à des chatouilles et à « Qui me parle ?» Bon, là, on arrête. Là on en a eu pour notre affaire. Il est bizarre. 27 ans de développement de l'intégration continue dans le laboratoire parisien, je suis curieux de vous présenter moi-même, le mec parfait, multifonction et dernier cri. On me demande de me décrire, mais après tout, qui suis-je? Savons-nous? Qui nous sommes? Suis-je?
ce que je crois être. En tout cas, je suis chiant. Non, j'aime bien ça, c'est de l'autodérision. Ça, on prend. Avec Pierre, on a toujours pris ça. Pinte de bière bien brassée, un PC gamer toute performance. Il va te plaire, en fait. Moi je leur contacte, hein. Ça pourrait être temps, c'est affection, sortez-moi de votre moule, ouais, très bien. Je me fiche totalement que les femmes aient des seins, donc c'est bon. Je n'attache aucune importance à la laine du réveil. Moi, tu vois, il est parfait pour moi. Ah, mais excuse-moi, mais là, on est en train de trouver ton âme sœur, Pierre. Enzo. Pourquoi tu devrais swiper à droite? Mes qualités. Je possède un compte Netflix. Je sais compter deux par deux et lasser mes chaussures. Oui, alors là, on va être dans l'humour, ça j'aime bien. J'ai une collection de mèmes que je suis prêt à partager en échange d'autres mèmes. Ouais. Ça marche bien, ça. Mes défauts, allergique au pollen. Toujours trop en avance. Ça c'est parfait, je ne trouve jamais où est Charlie. J'ignore ce qu'est le One Piece. Là, tout est bien. Enzo, pour moi, t'es peut-être l'un des meilleurs aujourd'hui. Bah, court efficace en tout cas. Oh, oh là. D'accord, là. Il l'a fait en... Oh, il l'a fait à la Pierre Cross là. Il l'a fait en Pierre Cross 2013. Alors dis-nous tout, vas-y, ton expertise. Comment je répartis mon temps quotidiennement? En grande partie, j'aime le bleu, donc j'en voulais... Forcément, il connaît Enzo. Passer du temps sur Twitter, 22%. Faire des jeux de mots nuls, mais qui me font rire. Il me connaît. Il me connaît très bien même. C'est ton frère. Highlander. Ok, MacLeod. Il a une tête, tu fais pas confiance. Ouais, d'accord. Très souriant. Ouais. Tu as un ami qui vous veut du bien. Mais limite, un petit Jack Nicholson. Dexter. Ah. C'est Dexter. Dexter, ouais, ouais. Plus savoureuse qu'un œuf de Pâques, plus attendue qu'une rame de métro un jour de grève, plus excitante qu'un cadeau de Noël. Mais l'exception est là. Bon, ok. Un peu de sérieux. Donc lui, là, il a envoyé deux vannes, c'est bon, ok. Stop les fous rires. Après tout, on dit souvent que je suis sérieux, donc autant le montrer. Je suis musicien dans l'âme, adepte de son doux et calme de la cornemuse, d'où le Highlander. Ah ouais. Je fais de moins en moins confiance. J'aime aussi beaucoup la nature, le monde de la fantasy. J'écris un roman à ce sujet. Oh, c'est bon, ça. Il compile tous les autres. On dirait qu'il est en train de voir la vidéo et il a rempli son truc. Il avance tranquillement, quoique trop vite pour mes personnages qui aimeraient bien se reposer un peu. J'ai trop d'inspi. Tu n'aurais pas une idée d'intrigue dans la suite, d'ailleurs? Oh, il pose des questions ouvertes. Allez, au plaisir de se rencontrer. PS, tu ne pourras pas résister à ma recette du gâteau au chocolat ou bonbon. C'est trop pour moi. C'est le boss final. Bah, il joue contre les autres. Hein. Là, il devrait y avoir un tournoi. Hein. Ah, c'est costaud, là. Il met toutes les rêves qu'il faut. Il met tout. Oh, la shopping list. Oh. Comme tout musicien qui se respecte, je cherche ma muse. Oh là là. Incroyable. Ça fait affreusement peur de qualité, là. Ouais, il n'y a pas un mot qui dépasse. Dance move. Il est bon, là, parce qu'il est en train de passer un coup de gueule. Ce que je ne veux surtout pas. La femme qui reçoit plein de charmes, mais qui n'a pas compris que ses charmes ne sont pas forcément dus à sa beauté. Pour terminer, ne jamais oublier qu'il y a toujours une femme à souffrir 9 mois pour que tout être puisse goûter à la vie. C'est la gestation. C'est pas faux. Hein, ouais. Bien sûr. C'est pourquoi je préfère qu'une femme me fasse souffrir plutôt que moi, je la fasse souffrir. Telle est ma devise. Ah, il est fort. Il y a encore des gens qui ont des devises. Hein? Hormis les chevaliers de l'époque. Sur Adopt un mec, tu dois avoir une devise. C'est que sur Adopt ou c'est même dans la vie de tous les jours? Non, ce serait quoi ta devise, toi? En soirée, là? Moi, je te la fais. Peut-être qu'on est en soirée, je connais pas la personne. Ah, salut. Ouais, Benjamin, enchanté. Pâte au pesto, Netflix et toujours un petit peu de sport. Telle est ma devise. Et après, au moins il sait. Ouais. Il sait tout de suite, en fait. J'ai 33. Tu préfères continuer d'être un petit peu secoué par le Covid ou par moi? Pas du tout ici pour du sérieux, au lieu de subir ton confinement à mater du porno seul chez toi. Rencontre un ancien... Oh, c'est un ancien acteur porno. Oh, mais ça, c'est une blague, non? Pourquoi pas, hein? Il est certifius, hein? Je suis là. Humour, humour, humour. Il faut une fille qui aime rigoler. Alors, l'humour, c'est une chose, c'est délicat. Ouais. C'est pas parce que tu l'écris 3 fois. Je sais. Piano, piano, piano. Lapin. Ne vous fiez pas à ma photo. Je cherche le vrai amour. Je suis un énorme fan de jeux vidéo et de lapins. Il est fan de lapin, le gars. Mmh. Et je suis très timide et osez pas montrer ma tête. Mais si vous insistez, je la montrerai pour vous. Je suis un peu littéralement taré et je vois une admiration pour les choses maudites cheloues. Ou encore, attends, c'est Baptiste là qui joue avec le feu. Je suis un ermite. Il m'a rendu triste. Et je ne sors pas pour promener mon lapin. Il sort pas pour promener son lapin. Ah ouais, il m'a mis le moral dans les chaussettes là. Coup de cafard. La personne qui se vend le moins bien de l'histoire du site. Hein. Chab, mieux vaut être un coq toute une vie que de faire la poule mouillette. J'aime beaucoup la poule mouillette. Sachant que lui, pour le coup, il est une devise, tu vois. Mieux vaut être un coq toute sa vie que de faire la poule mouillette toute une année. Ah, c'est la poule mouillette. Ah, mais ça, je le garde. La poule mouillette. Ah, c'est génial. La poule mouillette. Tu sens qu'il est premier degré. J'adore. C'était le dernier Pierre Cross. Encore une très belle sélection. Si vous vous reconnaissez, merci à vous d'avoir fait ces petits descriptifs de rencontres. Voilà, on a bien rigolé, parce que ça reste évidemment que de la rigolade. Bien sûr. On est bien moins bon que la plupart, de toute façon, et de loin. Pierre Cross, c'était encore un plaisir. Ah, c'est un plaisir d'en prendre plein les yeux, là.
plein les mirettes. Plaisir partagé. Ouais. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était les meilleures descriptions des sites de rencontres. Abonnez-vous.